Bah du coup on a... On s'est bien fait avoir, il y a zéro passage, ouais c'est bon, bah du coup ouais. La 39e, donc il nous en manque une... à la fin, donc ouais c'est ça. Parce que si on en avait loupé dans l'ordre, en fait elles sont classées dans l'ordre, je crois. Non? Il nous manque une bronze et une argentée. Je pense que c'est fini, je crois que c'est mort, on n'en aura que 39 et 49, sérieusement, je suis trop deg! Ça, j'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Ok. Bon, c'est le boss de fin, les gens. Bon, je sais exactement qui ça va être, mais je suis vraiment dégoûté pour les cartes, parce que si vraiment on finit l'aventure sans... sans toutes les cartes possibles, bah, je suis un peu con. Je suis un peu deg parce que les bronzes, au pire, c'était pas grave. Mais les argentés nous donnent accès au doré. Et à une carte près, on l'avait quoi. Ok. Ah merde. Bon, c'est pas grave. J'ai failli faire un no hit. Bon, la Jenny est là. Let's go. Allez, le boss de fin, les gens, on est chaud! On est chaud, chaud, chaud! Ginny, je t'en prie, réveille-toi! Mais je pense qu'on a vraiment loupé le. La carte. Il ne se réveillera pas. Tom! Tom, jeu du sort! Bon, évidemment, Tom, jeu du sort, vous savez qui c'est, hein. La petite Ginny. Il est bien fait, je trouve. Il ressemble vraiment beaucoup à celui qu'il y a dans le film. Elle m'a ouvert son âme. C'est le seul personnage qui ressemble un peu beaucoup au film actuellement. Mais bon. Suffisant pour déverser un peu de mon âme dans la sienne. Qu'est-ce que ça signifie ? Super. Ginny Wesley a ouvert la chambre. Wesley. Wesley Snipes aussi tant que t'y es. Avant que je ne devienne Lord Voldemort. Non. Super. C'est moi, Harry. Ginny m'a tout raconté sur toi. J'ai bien peur que tes tours de magie de deuxième année soient inutiles face à la puissance du plus grand sorcier du monde. Le plus grand sorcier du monde est Albus Dumbledore. Ouais. Dumbledore est parti. Maintenant, je vais te donner une bonne leçon. Un petit duel entre Tom Jeu du Sort, l'héritier de Serpentard, et le célèbre Harry Potter. Oh. Ouais, c'est fume sec. Let's go! Il nous apporte l'épée de Gryffondor. Normalement, il est censé apporter le chapeau, le choix-peau. Et dans ce choix-peau, il y a l'épée de Gryffondor qui apparaît. Mais bon, là, dans le jeu, bon, évidemment, par souci de détail, je pense qu'ils se sont dit, allez, le phénix rapporte l'épée. Alors que l'épée, normalement, est dans le chapeau. Et elle n'apparaît que lorsqu'un véritable Gryffondor en a besoin. Le plus grand des quatre de Poudlard. Oui! Waouh, comment il est mal fait! Il est tout violet! Oh là là. Il est pas vraiment bien fait, hein. Et moi, je trouve que Aragog, il faisait beaucoup plus peur. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Il va lui crever les yeux. Oh là 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 là. C'est parti. Vous allez voir, le combat, il est quand même plutôt badass. Non. Tu peux encore le tuer. Tue-le maintenant! Super. Allez, super. Wow, 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 doucement. Ouh là là! Comment on l'a esquivé là? Oh, c'est tranquille. Hein. Allez! C'est bon ou pas? Ah non, c'est... Le garçon. Ah, c'est que la première phase. Ok. Oula. Ok. Bah du coup, si je pouvais le taper, ça m'arrangerait. Non? Non, j'ai pas le droit. Bah, on va attendre qu'il fasse son truc, hein. Bien!
Voilà, bien fait. En fait, faut attendre qu'il tape parce que sinon on va jamais y arriver quoi. Ah non, si, c'est bon. Je croyais qu'il fallait attendre qu'il tape, mais non. Ouh, comment on gère? Comment on gère? Attendez. Vous bien regarder où est-ce qu'on est là. Ok, en plein dedans. On est presque à la moitié de vie, on est pas mal. Il va arriver là, non? Oh, vas-y, c'est passé à travers. Eh. On l'a bu, eh. Voyez où là? On n'a pas encore fait l'autre truc là. Bien! Voilà, en plein dedans. Bon, je pense qu'il va arriver soit là, soit là. Peut-être là, non? Ok, let's go. On va attendre un petit peu. On va le laisser faire. Tiens! Let's go, touché. Allez, il lui reste un tiers de vie, on est pas mal. Ok, c'est bon, on l'a touché. Non mais... Bon, attendez, on va attendre. En fait, il a besoin de faire... Hey, salut, je suis là, vous avez vu hein? Et on va le laisser faire. Voilà, en plein dedans. Encore un peu. Un dernier petit coup. Boum! Let's go! Allez, le dernier coup, vraiment le dernier coup. D'accord, même pas. Punaise, tu vas crever, saleté de reptile! Allez, c'est bon, là, c'est bon, là. Let's go! First try! Bon, c'était pas du tout difficile, hein. Bah alors, Tommy, on a perdu Tommy, hein. Tommy, j'ai du genre, hein. Eh bah oui. Je peux rien faire face à la puissance de la licorne et de Harry Potter réuni. Allez, adieu. Waouh, ah, regardez ça en 2002-2003. C'est tellement badass, toutes ces flammes. Au moins, ces flammes-là, elles bougent. Parce que dans la cheminée, depuis le début du jeu, ça ne bouge pas. Bon, je suis toujours quand même deg pour pas avoir eu toutes les cartes. Après, il reste des passages secrets. Il y a peut-être moyen d'en avoir une dernière. Mais je pense qu'on a vraiment loupé la dernière carte argentée. Non. Si. Si, si. Adieu! Salut Tommy, à la prochaine! On se revoit à la troisième année! Et oui, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube, sauf si ce n'est jamais le cas, de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, évidemment, de partager la vidéo, parce que nous allons après nous attaquer à Harry Potter 3! Oui! Un de mes préférés, il est juste génial, même en termes de jeu. Il est superbe. C'était moi, Harry. Oh, c'était toi! Je ne voulais pas faire ça. Ah bon? C'est jeu du sort qui m'a obligé. Ah ouais. C'est fini. Bon, aussi t'as obligé, hein. Jeu du sort. On va t'excuser. Allez, viens, sortons d'ici. Je suis deg parce qu'on n'a pas toutes les cartes, vraiment. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Je suis deg. Ah, oh, tellement je suis deg. Oh là là. Bonjour, Harry. Je sais pas si on arrivera. Il faudrait qu'on fouille un peu le. Je croyais que vous aviez été suspendu. Le château, mais je pense qu'on on a vraiment loupé. Lucius Malfoy. Conseil d'administration. C'est Malfoy. Malfoy. Il a mal au foie, ouais. Et à force de boire du vin et tout, il se pète le bide. Hein. Que l'héritier m'étonne qu'il n'y a plus de foie. Sont morts, mal foie. Ils savent que Hagrid est lui aussi innocent. Bah évidemment qu'il est innocent. Hagrid, c'est la plus gentille personne au monde. Et Lucius Malfoy, il ne va pas avoir de problème. Ça m'étonnerait. Nous pouvons supposer que c'est lui qui a donné le journal à Ginny. Mais il n'oserait jamais recommencer, de peur que le ministère de la magie ne s'attaque à lui. À propos du professeur Lockhart. J'ai peur qu'il ait perdu la mémoire. Oh, c'est pas grave. Oh non. À quoi va-t-il penser, maintenant qu'il ne peut plus penser à lui-même? En tout cas, vous n'avez pas son poste au professeur... Oui, moi. Mince qui je suis. Important comme professeur de potions. Vous vous êtes tous très bien débrouillés. Ça a dû être une expérience terrible. C'est vrai. On a passé beaucoup trop de temps dans les toilettes des filles. C'était... What the fuck? C'était un peu bizarre, la remarque qu'elle a dit. Qui l'a dit, pardon? Qui l'a fait? Qui l'a fait? Je vais écrire un article là-dessus. D'accord, bah vas-y, Hermione, salut. De ses côtés, on peut faire n'importe quoi, et rien n'est trop difficile. Waouh, quel beau discours, Harry. Rien. Ressembler magnifique. À Goyle n'en était pas loin. Il y a un banquier qui vous attend en bas. À quoi vous... Attendez, c'est moi où il vient de lui avouer qu'il était... Il s'était transformé en Goyle, etc. Courage. Normalement, il ne le dit pas, ça. L'amitié. Bon, même si Dumbledore, il sait tout, parce qu'il est trop fort à Dumbledore. La fin du dernier trimestre se déroula sous un soleil resplendissant. Poudlard avait retrouvé sa vie normale, à quelques changements près. D'accord. Le cours de défense contre les forces du mal avait été supprimé,
et Lucius Malfoy avait été renvoyé du conseil d'administration. Bien fait. Drago ne se pavanait plus dans le château avec des allures de propriétaire. Il semblait au contraire sombre et amer. Ah bah, c'est non. Ginny, en revanche, avait retrouvé toute sa joie de vivre. Ouais. C'est notre dernier jour de l'année à Poudlard. Super. Oui, il ne reste plus que la cérémonie de la coupe des quatre maisons dans la grande salle. Si tu veux faire quelque chose à Poudlard, mieux vaut le faire avant la cérémonie de la coupe des quatre maisons. Bah, j'aurais bien voulu trouver toutes les cartes, mais je pense que c'est mort. La dernière carte argentée, sauf si quelqu'un la vend. Et d'ailleurs, il nous manque encore un passage à ce niveau du château. Faudrait qu'on cherche ça. Est-ce que tu... Harry, tu veux... Qu'est-ce que tu as en stock? J'ai une carte des sorciers de catégorie argent, belle comme un sou neuf. Mais non! Oh oui! Oh là 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 là! Dab 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 dab! Ta 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 ta! Yeah! Oh bah let's go! Let's go, on la prend direct! Direct, mon pote! Depuis le début de l'aventure, il y a mode. Tu vas changer quelque chose? Désolé, j'ai plus rien en stock. Voilà, regardez. Let's go! Tu nous as régalé, mon pote. Merci. Franchement, je me foutrai plus jamais de toi. Allez, la dernière carte argentée. Nous avons les 4 clés. On va pouvoir faire l'épreuve des 4 des cartes dorées. Et après, on va pouvoir finir le jeu. C'est parti. Il nous manque quand même un passage secret. Ça aussi, j'aimerais bien le trouver. Oui, c'est bien. Le dernier passage secret, où est-ce qu'il pourrait être? On va tout fouiller pour être sûr qu'on n'a pas oublié un seul passage secret. Il faudrait commencer par en bas, ce serait plus logique de commencer par en bas. Où est-ce qu'il peut être le dernier passage? À part ici, quelque part. En vrai, peut-être dans les souterrains, il y a moyen qu'on ait... Voilà, dans les souterrains, dans les cachots, il y a peut-être moyen qu'on ait oublié quelque chose. Même si franchement j'en doute parce qu'on a quand même pas mal fouillé tous les trucs. Ouais, là on a déjà été donc c'est pas la peine. Waouh. Il était coincé dans les textures. Tout va bien, je suis coincé en l'air, tout va bien. Alors, professeur Rogue, ça va ou quoi? Attendez, on va bien... Voilà, on va courir comme ça avec la baguette, comme avec Revelio dans Hogwarts Legacy pour ceux qui ont la ref. Et on va peut-être finir par... Fais ce qu'il nous manque. Ok, là il y a un truc. Là il y a un truc déjà. Là il y a un truc, regardez. On l'a déjà eu ça, non? Ouais, mais on l'a déjà eu, c'est pas drôle. Est-ce que ça c'est fermé là? Là on a dû courir après Goyle. Oui, c'est fermé. Je suppose que là on a dû récupérer la corne de je sais plus quoi, c'est fermé aussi. Où est-ce qu'il pourrait être le dernier passage? Est-ce qu'il serait là-dedans quelque part alors? Tu veux échanger quelque chose? Non. Je ne veux rien échanger avec toi. Alors, est-ce que ça fait... Est-ce que ça fait quoi, ça? Ok. Je sais pas si on y est allé, faudrait vérifier. Alors, on va bien fouiller aussi tout ce qu'il y a ici. Je pense que c'est Keblo, c'est pas la peine. Par contre, là, il y a moyen qu'on ne soit pas allé là. Oh, je suis deg, on est déjà allé, le coffre est ouvert! Non! Tu veux échanger quelque chose? Non, je veux pas, arrête! Pour revoir le corps fureté dans le coin, Potter. Si, fais-la lui. Je vous retire tous vos points. Tu peux toujours courir, mais tu peux me retirer autant de points que tu veux. T'inquiète pas que Dumbledore, il me remettra autant de points que je veux. Alors. Hop. Bon, ça, on l'a déjà fait. Voilà. Dans le souterrain, dans les cachots, on a déjà tout exploré. Donc, où est-ce qu'il pourrait être le dernier passage de cette partie du château. Réfléchissons ensemble. Hein. Et puis dans tous les cas, on va vers l'épreuve des cartes dorées. Normalement, il faut aller voir un Munich quasi sans tête. Ah, c'est mort ici. Où est-ce que ça peut être? Franchement, ça peut être n'importe où, mais en même temps, ça peut pas être n'importe où. Là, on a déjà été là-dedans, non? Excuse-moi. Bah oui, on a déjà été. Ah mince, alors c'est où que ça peut être? Surtout pas aller là-dedans. Parce que si on va là-dedans, on va finir le jeu. Surtout pas faire ça. Ça serait vraiment con. Donc la partie droite, c'est sûr qu'il n'y a rien. Est-ce qu'on peut... Ouais, non, on peut pas aller autre part que là. Hein. Ok. Wow, ça fait mal à la tête de tourner comme ça. Je suis désolé pour ceux qui sont un peu sensibles. Moi-même, j'ai un peu le tournis. 732, nous avons assez de points. Nous avons dépassé tout le monde. On est trop fort. Ah bah tiens, Miss Teigne, elle est là.
732, 720, 557, 507. Il n'y a même pas besoin de rajouter des points. Dans tous les cas, on leur roule dessus. Yeah. Alors, bon, bah du coup, je sais absolument pas. Vraiment absolument pas où est le dernier passage qu'on n'a pas fait, quoi. Il y en a, on en a 11 sur 12. Franchement, là, je sais vraiment pas quel passage je n'ai pas fait, quoi. C'est bon, c'est bon. C'est vraiment étrange. On l'a déjà fait ça aussi. Attendez, on va sauter comme ça pour voir. Ouais, on l'a déjà fait, c'est ouvert. Là, c'est fermé. Je ne sais absolument pas où est le dernier passage. Hein. Celui-là, on l'a déjà fait. Mince alors. Le seul passage qui resterait, ça serait un truc ici. Ah non, ça n'a pas de sens. On a déjà tout fait là aussi. Ouais, non, c'est bon. Bon, bah, 11 sur 12. Pour si jamais il y a des gens qui savent le 12e passage, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, bah, je reviendrai dessus. Parce que là, par contre, ça me... Ouais, ça me dit rien du tout. Là, on a fait tout le tour du truc. Là, on a les 10. Et on n'a plus qu'à aller juste là, l'étage au-dessus. On est pas mal. Allez, on va voir Nick quasi sans tête. Et on va pouvoir ouvrir les portes. C'était ça, hein. Exact. Tadam ! L'épreuve des cartes dorées. Mesdames et messieurs, c'est parti. Êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêtes ? Let's go ! Alors... Dans mes souvenirs, c'était un truc avec le temps où il faut juste ramasser des cartes et arriver à la fin du parcours. Et puis c'est tout. Voilà, vous pouvez voir, donc là, il y a des rideaux dorés. Et en fait, derrière ces rideaux dorés, normalement, si vous ramassez toutes les cartes, donc il y en a 11, bah du coup, vous avez tous les rideaux ouverts. Après, on va pouvoir regarder, contempler les cartes de... les 11 cartes, quoi. Voilà. Bon, êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêtes ? Parce que là... C'est parti, la petite sauvegarde. Hop, est-ce qu'on peut leur... on peut les tabasser, non? Donnez-nous de l'argent. Ok, c'est parti. Ok, voilà, c'est parti. Ok. Là, faut être rapide, faut être efficace. Je sais même pas si on était obligé de faire ça, en fait. Ah oui, on pouvait directement faire ça, on n'était pas obligé de leur les taper dessus, en fait. Ok, boum, une première carte, la 69e. On commence par une bonne carte, un très beau chiffre. Par là. Ok. Oh oui, c'est du parcours, c'est parfait. Bon, ça va, c'est pas non plus trop compliqué. Ici. Ok, on est pas mal. On est pas mal du tout. Bon, on y est presque, on est déjà tout en haut. Est-ce qu'il y a une carte sur la route? Let's go. La carte de Dumbledore, je crois. Exact. Ça a l'air d'être, ouais, Dumbledore. D'après ce que j'ai vu sur la carte, ça ressemblait vraiment à la barbe blanche de Dumbledore. Alors ici... Ok, je suppose qu'il faut faire ça. Allez, comment j'ai pré-shot le jeu, là? Allez, let's go. Allez, on me la fait pas à moi, je suis trop intelligent, moi. Smart boy, comme on dit. Alors, par où que c'est? Bon, je crois qu'on a même pas besoin, en fait, en vrai, on est trop fort, regardez. Regardez. Alors. Allez. Let's go. Je suis trop fort. Bonjour. Paf. Pourquoi je les tape, mais je les tape. Salut, à la prochaine. Oh. Ça fait ça, ok. Ah oui, c'est pour gagner du temps, quoi, en fait, en vrai. Ah oui, c'est hyper simple, hein. Je roule sur le truc, en vrai, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, waouh, je roule sur le jeu. Hein. On est même pas à la moitié du temps, et je crois qu'on a déjà ramassé la moitié des cartes. Ok. Très bien. Une salle vide, c'est bizarre. Ah, d'accord, elle n'était pas si vide que ça, en fait. Ah si, ok, d'accord, dans ce sens-là, en fait. Elle est... En fait, ça a fait disparaître le sol. Et ça, en gros, on peut aller plus bas maintenant. Très bien, très bien. Ok. Le pro du parcours, c'est moi, ou pas? Enfin, dans ce Harry Potter-là, je me débrouille plutôt pas mal. Vraiment plutôt pas mal. Au début, c'était compliqué, mais là, je roule carrément sur le truc. Hein. Et c'est à force d'avoir, je pense... À force d'avoir joué, je pense. Voilà, ok.
C'est simple, c'est très très simple en vrai. Regardez ça, c'est... Après c'est un jeu 3 plus, hein, heureusement que j'y arrive. Vous allez me dire, bah ouais, sinon tu nous ferais peur si t'y arrivais pas. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que je peux faire ça? Ah bah oui, je suis un gros arnaqueur moi. Dégage. Voilà, on n'a pas le temps. Oh, ça va beaucoup plus vite par ce côté-là, non? Ouais, quoique. Je sais même pas pourquoi je vais là, en fait. Je me suis trompé, en fait, non? Ah ouais. Ah bah, je me suis fait avoir. Ah bah, j'ai été là pour rien, en fait. Très bien. Donc, il y a un truc juste là. Je me suis fait... Il y a un truc là. Ah mais c'est pour descendre! C'est pour descendre, alors que ça va, plus vite, ça va beaucoup plus vite comme ça. Y'a rien derrière, non, c'est bon. Ok. Ah, comment je me suis fait avoir, j'ai fait le tour pour rien. J'ai gagné pas mal. Heureusement que j'avais gagné pas mal de temps. Je suppose qu'il faut faire ça. Ouais, je pense que c'est ça. Comme ça, comme ça. On récupère la carte. Bon, je pense que j'aurais peut-être dû monter l'autre un peu plus haut aussi. À moins que ça passe. Ah, je pense pas que ça passe. Attendez, on va voir. Ah, ça passe pas, je suis deg. Je me disais bien, j'aurais dû taper une fois de plus. Quoi? Allez, tape. Tu fais quoi, Harry? Tu te fous de ma gueule? Non, mais... Allez, vite. Ah, j'aurais dû taper une fois de plus sur le celui de gauche. J'espère que ça passe. Je sais pas combien de cartes on est, là. On est pas mal, on est pas mal, en vrai. Ok, ok. Ouais, je suppose qu'il faut faire ça. Ouais. Ok. Ah, c'est beaucoup plus vite comme ça. Ok, ah oui, oui, c'est nice, 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 en fait. On a tout eu ou pas? Ah, c'est fini? Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on a tout eu ou pas? Ou est-ce que j'en ai loupé une? Let's go! Nous avons tout eu! Nous avons les 11 cartes dorées! Il nous en manque juste une nombre 11. Voilà. Donc là, du coup, c'est qui? C'est Bertie Crochu, donc c'est justement les dragées de Bertie Crochu. Là, du coup, c'est Dumbledore. Là, c'est Godric Gryffondor. Là, c'est Salazar Serpentard. Airpo the Fool. Je sais pas qui c'est. Salazar Serpentard. Pouf Souffle. Lui, c'est Serre d'Aigle, je crois. Paracelsus, Carlotta, Pinkston. En gros, c'est des sorciers célèbres. Ravenclaw, ah non, c'est elle, Serre d'Aigle. Et Harry Potter, le garçon qui a survécu. Ouais, les feux d'artifice! Let's go. Bon bah nous avons terminé. Nous avons terminé le jeu, bah pas à 100% parce que malheureusement il nous manque une carte de bronze. Mais on a vraiment bien taffé, on a vraiment bien taffé. On peut être fier de nous, on peut être fier de nous. Donc là on va aller à la salle, à la salle commune, hein, c'est ça, à la salle commune pour manger. Pour prendre des bonnes nouilles, du bon poulet rôti. Enfin je sais pas ce qu'ils vont nous servir mais... Et puis bah, on arrête là le jeu, à ce moment-là, hein, parce que bah de toute façon c'est fini, on n'a plus grand-chose à faire. Ouah ! Le parcours master, c'est moi, allez boire un petit coup, voilà. On se prépare pour le dîner de ce soir, on boit déjà un coup avant, let's go. Bon, est-ce que je vais vraiment pas trouver le passage qui me manque ? C'est vraiment bizarre qu'il n'y en ait pas en fait. Hein. Il y en a un que j'ai loupé, mais où ? Je n'ai vraiment aucune idée. J'ai vraiment tout fouillé, hein. Alors, franchement, n'hésitez pas à me dire où c'est, parce que... Je n'ai aucune idée. Vraiment, je n'ai aucune idée. Est-ce que ce tableau-là, on l'a fait? Est-ce qu'il y aurait quelque chose vers ici, là? Vers les duels? Non. Non, très bien. Allez, c'est parti, le dernier discours de Dumbledore pour clore cette année. C'est marrant parce que les coffres derrière sont fermés alors qu'on les a ouverts dans les tout premiers épisodes de Harry Potter, pour ceux qui se souviennent. Silence! Vous pouvez toujours perdre des points, vous savez. Le mec est sadique. La cérémonie de la Coupe des Quatre Maisons marque la fin de l'année scolaire. Et quelle année mouvementée ce fut. Il n'y a aucune musique, ça fait peur. Sans plus tarder, je vais maintenant décerner... Quel manque d'ambiance. La maison de Poudlard qui a remporté le plus de points. Et évidemment. Qu'on va encore gagner cette année? Bah bien sûr. Après que toi et Harry avez sauvé Poudlard, ça ne fait aucun doute. En quatrième position... Serre d'Aigle. On a bien vu qu'on était premier, hein. On est d'accord. Troisième position, Pouf Souffle. Merci. Nous trouvons que terminer au milieu est très convenable. Et maintenant, la maison en deuxième position.
Ce sera vous, Gryffondor. C'est naturel pour vous d'être les deuxièmes. Vous ne volerez pas la coupe à Serpentard comme vous l'avez fait l'année dernière. Après avoir échappé à la disqualification de justesse, Serpentard. Ce qui signifie... La première place et la coupe des quatre maisons reviennent à Gryffondor. Ouais ! Alors, c'est pas comme ça que ça se passe normalement, mais... Bon, on a déjà bien vu dans le jeu qu'on était devant, donc si franchement il disait Serpentard, j'allais faire... What ? Let's go! Nous avons terminé! On va pouvoir passer à la troisième année! J'espère que ça vous a plu en tout cas. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir et ça me fait vraiment plaisir de finir ce jeu maintenant pour pouvoir du coup m'attaquer à la suite. Mais franchement, c'est que des bons souvenirs, je suis super content. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas du coup à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, un petit commentaire bien évidemment, partager la vidéo, vous abonner, sauf si ce n'est déjà le cas. Je vous dis à bientôt donc pour une nouvelle aventure avec Harry Potter, la troisième année, donc le prisonnier d'Azkaban. Évidemment, je vous dis à la prochaine sur Mafia 2 Definitive Edition, etc, etc. Et je vous dis à la prochaine en vidéo en live, bien évidemment. Ciao tout le monde, bisous, ciao.